on se concentre. Donc, en fait, là, oui, il y a monsieur Soubouti Moussa, oui, donc du Burkina Faso, qui, dans le cadre de la coopération, il vient voir un petit peu comment on enseigne les cours de mécanique analytique. Je veux dire, oui, donc, c'est très intéressant, je veux dire, oui, puis j'aurai le plaisir de discuter un peu avec vous, oui, à l'interruption. Alors, donc, content de vous voir tous, parce que ce n'est pas évident, enfin, nécessairement, d'arriver ici ce matin, je suppose. Et donc, de suite, là, oui, donc, une petite récréation. Donc, je vous montre ici quelques exemples de belles applications de la mécanique analytique, hein, disons, à l'étude de systèmes constitués de satellites ici autour de Saturne. Donc, vous voyez ici, c'est une magnifique courbe qui a été obtenue au moyen donc, d'un satellite hein, de la NASA qui montre, vous allez voir, donc, autant, disons, les anneaux donc de poussière et de glace autour de Saturne que de satellites. Donc ça, c'est une très belle image, première image. Ici, une seconde, on devine ici la présence hein, de quatre satellites et on voit, disons, par le plan, enfin, les anneaux autour de Saturne. Donc, comme je l'ai déjà dit, hein, la mécanique analytique, là où surtout la mécanique hamiltonienne, permet quoi, l'étude de tels systèmes complexes hein, d'un très grand nombre de particules. Ici, autre bel exemple. Donc, c'est Cassini, hein, en fait, la sonde américaine, vous voyez, qui a pris ces très beaux clichés. Bon, ici, une vue bien plus extérieure, en fait, de ce système. Donc, je vous rappelle qu'il y a, en principe, là, oui, 67, au moins 67 satellites qui tournent autour de cette planète. Quoi. Donc, c'est assez prodigieux. Et enfin. Ah! D'autres images, oui, en fait, maintenant, là, oui, de missions autour de Mars. Donc, qui montrent, alors, c'est ici plutôt des imageurs basés sur la technique des radars, oui, qui montrent, en fait, des choses spectaculaires, comme ici, vous voyez de la. Enfin, des poussières qui tombent au fond d'un cratère, quoi, sous l'action de vent, donc qui souffle à la surface de Mars. Ici, c'est la détection, hein, comme je dis bien, c'est au moyen de technique radar, oui. De la présence d'eau quoi, au fond de certains cratères. Puis ici une vue beaucoup plus en hauteur, là, on devine en fait des structures géologiques qui ressemblent pour certaines, là, je dirais, des grands canyons. Ici le mont Atlas, donc, qui est une enfin, gigantesque volcan, enfin, qui est tout à fait éteint aujourd'hui. Voilà. Et on en revient maintenant à l'objet du cours. Oui. Donc, je vais faire un petit résumé là, oui, pour donner un aperçu très général là, des choses que l'on a vues. Voilà. Donc là, au cours de la dernière leçon, hein, ce qu'on avait établi, c'était l'invariance en fait des crochets des poissons fondamentaux. Mais bon, avant de rappeler à quoi ceci peut servir, là, oui, je fais vite là, oui, je dirais un résumé. Donc, au tout début, là, oui, on a. Bon, vous rappelez, vous avez commencé avec la mécanique newtonienne. Donc, consistait à résoudre un système. Donc, de, en fait, grand N d'équation, s'il y avait N particules. En fait, pour chaque particule, il y a trois équations scalaires, hein, ce sont des équations vectorielles. Alors, ces forces qui agissent sur les particules, je peux les décomposer en force de liaison et force active. Hein. Alors, à partir d'ici, on a vu que si on adoptait le principe d'Alembert, donc suivant lequel, au cours d'un déplacement virtuel, les forces de liaison effectuent un travail nul, on a vu qu'on pouvait remplacer l'expression des forces de liaison dans ces équations. Ensuite, en insistant bien qu'il s'agit de déplacements virtuels, hein, ce qui veut dire que les dR alpha, ce n'est rien d'autre que le dR alpha dQI fois delta QI, somme sur I implicite, où les enfin, ici en fait j'ai I déplacement indépendant qui correspond au F degré de liberté hein, du problème qui est posé. Et si je viens remplacer donc, cette expression-ci dans cette autre hein, qui énonce le principe de D'Alembert, oui, T
on a vu qu'on était, parvenu à boucher d'un système d'équations différentielles d'ordre 2 qui étaient les équations de Lagrange, hein, que voici. Donc, on a vu qu'il y avait F équation de Lagrange, autant qu'il y avait de degré de liberté, et que c'était des équations différentielles d'ordre 2 en QI. Alors à ce moment-là, on s'est dit, mais tiens, ce qui est intéressant, c'est chaque fois que le Lagrangien, hein, qui dépend des QQ.TT, donc de 2F plus 1 variable indépendante, ne dépendait pas explicitement de certaines variables, par exemple QK, oui, donc on disait que ces coordonnées étaient muettes ou cycliques, eh bien, il en résultait en fait des intégrales premières. Hein. On a vu chaque fois qu'un QK n'apparaît pas dans l'expression du Lagrangien, quoi, il en résulte, hein, une intégrale première qui est en fait le bêta est égal à une constante. Puis on a vu que donc ces propriétés de symétrie de Lagrangien qui entraînaient en fait, hein, des équations de conservation pouvaient être généralisées grâce au théorème de Noether. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, on va voir l'équivalent dans le cadre de la mécanique hamiltonienne. Alors là, le théorème de Noether disait, ben voilà, chaque fois que le Lagrangien présente une symétrie, oui, au premier ordre dans epsilon, eh bien, il en résulte, oui, une intégrale première, dite intégrale noethérienne. Donc, ça c'était à peu près tout ce qu'on avait vu dans le cadre de la mécanique hamiltonienne. Ensuite, on a vu que, tiens, ici on avait le Lagrangien, donc, dépendait de 2F plus 1 variable indépendante. Et puis on s'est dit, vous rappelez, appliquons une transformation de Legendre à l'hamiltonien, oui, au Lagrangien. Et il en résulte une nouvelle fonction. Donc, on a vu que le hamiltonien, hein, c'est rien d'autre que transformation de Legendre, oui, du Lagrangien. Et qu'en fait, le hamiltonien dépend toujours en fait, du petit QI, dépend toujours du petit temps T. Mais ce qu'on avait fait, on avait fait un changement de variable. Oui. On l'avait transformé. Disons, on était passé du Q pointé, oui, donc, aux impulsions généralisées petit p. D'accord. Et cette fois, on a trouvé que l'hamiltonien dépendait, lui, de 2F plus une variable indépendante, effectivement, mais qui étaient les petits q, le temps t et les impulsions p. Alors, l'expression qu'on a trouvée pour la transformation de Legendre, c'était q.ti fois pi moins le Lagrangien. Puisqu'on a fait, on a pris la différentielle de l'hamiltonien. Et on a vu qu'il en résultait alors, en fait, deux F équations, qui étaient les suivantes. C'était les équations d'évolution, hein, notamment des QI. Donc c'était Q.TI égale à dérivée de A par PI. Et ensuite, B.TI égale moins la dérivée de H par rapport à PI. Donc on a vu qu'en termes de l'hamiltonien, qui contient la même information physique, hein, que le Lagrangien, au lieu d'avoir F équation de Lagrange, en fait, on avait deux F équations, dites canoniques, des équations d'Hamilton, mais qui, elles, sont cette fois des équations différentielles d'ordre 1. Donc, on a déjà un petit peu simplifié pour la difficulté du problème. Alors, lorsqu'on était encore dans le cadre Lagrangien, on a vu que, à partir du principe d'Hamilton, oui, on pouvait très bien retrouver en fait les équations de Lagrange. Et cela, bon, nous a incité, là, oui, à voir ce que devenait, quoi, le principe d'Hamilton, oui, lorsqu'on remplaçait le Lagrangien en termes de l'hamiltonien. Donc, voilà, le Lagrangien, hein, ici, est égal à PQ.TI moins le hamiltonien. Et c'était à peu près là que, donc, bon, on avait vu que si on faisait ça, en fait, on retrouvait les équations d'Hamilton. Et on s'est dit, mais tiens, maintenant, c'est chouette, on a en fait F équations différentielles supplémentaires par rapport au cas précédent, mais est-ce qu'on a un ordre plus simple? Enfin, c'est plus de l'ordre 2, c'est de l'ordre 1. Hein. On s'est dit, mais tiens, si on pouvait faire apparaître des variables cycliques maintenant dans ces équations-là, mais elles pourraient se résoudre un peu de choses et nous faciliter leur résolution. On s'est dit, ben voilà, cette fois-ci, si on envisage en fait des transformations coordonnées, quelles sont-elles? Eh bien, ce sont des transformations coordonnées de ce type-là. Hein. Donc les grands QI, les nouvelles coordonnées
dites canoniques, peuvent dépendre des anciennes coordonnées, des anciennes impulsions du temps T. Alors, demain, pour les nouvelles impulsions canoniques. Alors, si elles sont canoniques, ça veut dire que les équations d'Hamilton sont encore vérifiées. Mais on a vu qu'il fallait toutefois, oui, faire attention, qu'il fallait ici introduire, oui, le Hamiltonien indéfini par rapport à ces nouvelles coordonnées canoniques. Alors, comme je l'ai dit, le principe d'Hamilton modifié, oui, nous a conduit à ces deux équations. Il dit, donc ça c'est en fait l'intégrale d'action, donc la variation d'intégrale d'action est le nom des différentes trajectoires entre deux points fixés, origine et destination, est égale à zéro, la variation. Et ceci, c'est par rapport aux anciennes coordonnées canoniques, ceci par rapport aux nouvelles variables canoniques. Et deuxième, pour que celles-ci soient simultanément vérifiées, il faut en fait que les deux intégrants diffèrent au plus de la dérivée totale d'une fonction qui peut dépendre des nouvelles et ou des anciennes variables canoniques. On se dit, on a quatre choix possibles. Donc c'est ce qu'on avait fait. On avait vu que, on pouvait trouver en fait soit une fonction qui dépend des anciennes et des nouvelles coordonnées canoniques, soit ici on voit des anciennes coordonnées et des nouvelles impulsions, soit des anciennes impulsions et des nouvelles coordonnées, et soit des anciennes et des nouvelles impulsions quantiques. Voilà. Et donc on avait appelé en fait la fonction f la fonction génératrice. Oui, donc des transformations canoniques. Alors on a vu que c'est important pour le deuxième type de famille de fonctions grand F. Eh bien cette fonction, donc qui est rien d'autre que la somme des produits de petit QI fois grand PI, induisait en fait la transformation identique. Donc on voit bien que les anciennes impulsions sous l'action de cette fonction génératrice conduisent à de nouvelles impulsions qui sont égales aux anciennes, il y a de nouvelles coordonnées qui sont égales aux anciennes. Oui. Alors, donc c'est une transformation qui semble triviale, mais je vais en fait la réécrire ici parce que je m'en servirai dans un moment. Donc, à partir de la fonction génératrice F2 qui dépend des petits q et p, qui dépend pas explicitement du temps t, oui. Ce qui implique que le nouvel Hamiltonien grand K est égal à l'ancien Hamiltonien grand H. Donc ceci, ça peut être grand H. Donc on trouvait via ces équations, donc F2 par rapport à petit QI. Donc ça me redonne grand PI ici. Donc ce que je pourrais faire ici, c'est plutôt mettre le QK et là QK et là PK. Donc quand je dérive par rapport à petit QI, je retrouve bien grand PI. Et je trouve que grand QI est égal à la dérivée partielle de F2 par rapport au grand PI. Donc tout ceci, ce sont des rappels évidemment, ce sont des choses que nous avions fois dernière. Donc comme je l'ai dit, le nouvel Hamiltonien, dans ce cas, c'est égal à grand H, parce que la fonction génératrice ne dépend pas excessivement du temps. Donc, de ceci, ce sont des rappels. Puis on a vu, ceci aussi est un rappel, oui, que si on avait adopté une fonction de la famille numéro 1, à savoir cette fonction-là, qui ne dépend pas non plus explicitement du temps T, oui, eh bien, cette fonction génératrice induit un changement de variable canonique, oui, qui sont telles que aux nouvelles coordonnées correspondent les anciennes impulsions et aux nouvelles impulsions correspondent les anciennes coordonnées. Donc on voit qu'on peut faire jouer en fait de façon tout à fait arbitraire le rôle soit de coordonnées soit d'impulsions, quoi, oui, je dirais, à ces deux F variables canoniques. Ensuite, on a vu l'approche symplectique des transformations canoniques, vous vous rappelez. Donc là, on avait défini un colonne état à deux F éléments, donc qui reprennent les variables canoniques de cette façon-là.
Ensuite, le sélecteur colonne à dérivé partiel de l'hamiltonien par rapport aux variables canoniques. Donc défini de façon suivante. Si on avait défini cette fameuse matrice hein, carré constituée de 2F fois 2F éléments de façon suivante. Donc la seule propriété importante pour nous aujourd'hui, c'est de se rappeler que lorsque je tilte cette matrice-là, oui, eh bien, je trouve que c'est égal à moins la matrice elle-même. Effectivement, si je prends, vous appelez ça la matrice transposée, d'accord? Donc si je transpose cette matrice-là, évidemment, je vois que le moins 1 arrive là, la matrice 1, là, et que je trouve que c'est égal à moins j. Ça, c'est la seule propriété dont je vais me servir aujourd'hui. Alors, en termes de tous ces éléments-là, oui, on a vu qu'on peut réécrire les équations d'Hamilton sous la forme symplectique suivante, hein, donc à savoir eta pointé égale la matrice J fois dh d eta. Donc, ceci, c'est une façon très condensée en fait, d'énoncer les équations canoniques d'Hamilton. Alors, si on adoptait de nouvelles variables canoniques, à savoir, hein, cette fois-ci, non pas le vecteur eta, mais le vecteur zeta, eh bien, on a vu que, évalué par rapport aux coordonnées eta, oui, on obtenait cette équation-ci, d'évolution. Or, si la transformation est canonique, on sait bien qu'on doit aussi avoir celle-ci. Ce qui implique que le produit des trois matrices, hein, mj, mtt, ou bien transposé, doit être égal à la matrice j. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la condition symplectique. Oui. Donc, c'est la condition symplectique. On peut démontrer de façon équivalente que l'existence en fait, de cette condition symplectique implique nécessairement l'existence d'une fonction génératrice f qui permette de passer des anciennes variables eta aux nouvelles variables zeta. Et inversement, si la fonction génératrice existe, ben, on peut démontrer que la condition symplectique est elle-même applicable. Alors, ensuite, vous vous rappelez, ça c'était, disons, le morceau du cours précédent. On avait vu des crochets de poisson, donc des crochets de poisson, oui, c'est pas un truc simple du tout. Les crochets de poisson, donc de deux fonctions UV au moins C1, donc au moins continuellement dérivable une fois, eh bien, c'est l'opérateur suivant, vous voyez, donc c'est la somme sur I implicite, la dérivée de la première par rapport coordonnées fois la dérivée de la seconde par rapport aux impulsions, moins la dérivée de la première par rapport aux impulsions fois la dérivée de la seconde par rapport aux coordonnées. On avait vu que de façon symplectique, oui, le crochet de poisson pouvait être représenté de la façon suivante. Donc par rapport aux coordonnées eta, donc ceci, hein, comme on l'avait démontré, ce n'est rien d'autre que le produit ici du vecteur ligne, du d eta, pour transposer, fois l'autre vecteur, donc qui est le produit en fait, de la matrice J, fois le vecteur dvd eta. Donc ça c'est quelque chose dont je vais me servir abondamment aujourd'hui, donc je vais peut-être le réécrire ici. Donc je vais le coucher UV par rapport à l'état, oui c'est une variable de dérivé de U par rapport à l'état transposé, G dv eta. Bon, ça je passe. Alors, on avait évalué là ce que valaient les crochets de poisson lorsque les fonctions U et V oui, étaient en fait le vecteur colonne, donc variable canonique. Donc, voici ce fameux crochet de poisson dont l'élément LM, hein, eh bien c'est état L, état N. Alors on avait vu que tiens, le crochet de poisson, en fait, a des variables canoniques, donc vous voyez, on a remplacé les fonction U et V hein, par le vecteur eta, c'est égal à J. Et alors, ça c'était la fin du cours précédent, on avait évalué aussi le crochet de poisson par rapport aux nouvelles variables canoniques, zeta, et on avait trouvé, via en fait, l'application de la condition symplectique, que le crochet de poisson par rapport aux coordonnées eta, du vecteur zeta, eh bien, était égal au crochet de poisson de ces nouvelles coordonnées canoniques par rapport aussi au vecteur zeta. Donc, ce crochet de poisson, qui est dit fondamental, oui, est indépendant, en fait, des coordonnées canoniques par rapport auxquelles on les évalue. Donc, vous pouvez, donc,
en principe, on peut maintenant supprimer en fait les coordonnées par rapport auxquelles on évalue ce crochet. Donc maintenant, on va généraliser ce résultat. Donc ça, c'est bon, le première activité d'aujourd'hui, c'est de démontrer en fait que le crochet de poisson de n'importe quelle fonction U et V, oui, est en fait invariant par rapport à une transformation canonique. D'accord ? Donc voilà, comment procède-t-on ? Alors, je vais avoir besoin de ce tableau, cette partie-là du tableau. Donc, comment on va procéder ? Bien voilà, donc, on veut démontrer hein, donc, que ce crochet de poisson, UV, évalué tout d'abord par rapport aux coordonnées eta, oui, c'est un invariant canonique. Donc, si on l'évalue par rapport aux nouvelles coordonnées zeta, eh bien, on obtient exactement la même chose. Le dv d'eta. Donc, je vais faire quelque chose que j'ai déjà fait la fois dernière, mais allons-y. Donc, le v, hein, la fonction v, on peut dire, voilà, elle dépend en fait hein, de la fonction zeta, qui dépend de zeta. Alors, si je prends, j'évalue hein, pour la coordonnée eta i, je vais trouver ceci, c'est égal à la dérivée de v par rapport à zeta j fois la dérivée de zeta j par rapport à eta i. On est d'accord ? Bon, mais je vous rappelle que en fait, l'élément ij hein, de la matrice jacobienne qui permet de passer des coordonnées eta aux coordonnées zeta, oui, c'est en fait la dérivée de zeta i par rapport à eta j. Donc ici, je vois qu'en fait, ceci, ce n'est rien d'autre hein, que l'élément i du produit de la matrice transposée, n pour t, donc fois le vecteur dv de zeta. D'accord ? Et donc, en définitive, donc je trouve que dv delta, ce n'est rien d'autre que m transposé fois dv de zeta. Alors, pareil, si maintenant je remplace v par u, oui, mais que je transpose, je trouve que dv delta, donc c'est égal à nt fois du de zeta, mais ceci est transposé, donc ceci est égal à du de zeta transposé fois m transposé deux fois, ça me redonne m. Maintenant, je réécris mon crochet de poisson UV par rapport aux anciennes variables canoniques. Je trouve donc que c'est égal à, donc tout d'abord, du delta, fois j fois dv delta, donc, par définition. Et maintenant, je fais des substitutions. Donc tout d'abord, je viens remplacer le du delta, oui, par, non, le du delta qui est ici, par ce résultat-ci, donc du delta fois l. Et je remplace le dv delta, donc par n dv delta. Et alors maintenant je dis, voilà, si ma transformation canonique, hein, si ma transformation de variable est canonique, alors je sais via la condition symplectique hein, que le produit de ces trois matrices-là, c'est égal à la matrice J. Ce qui fait que UV eta, le crochet de poisson, est donc égal, hein, je remplaçais ceci par la matrice J, à ceci, mais qui n'est rien d'autre en fait que le crochet de poisson par rapport aux coordonnées de zeta. Donc je vois que le crochet de poisson hein, de deux fonctions quelconques est un invariant canonique, parce qu'il est invariant lorsque j'effectue une transformation de variable canonique. D'accord ? Alors pourquoi cet intérêt hein, pour les crochets de poisson ? C'est parce que dans un instant, là, oui, vous allez voir, on va formuler en fait les équations d'Hamilton, donc des équations d'évolution de petit p de q, en fonction des crochets de poisson, et qui auront donc la même forme par rapport à toutes les variables canoniques, étant donné que les crochets sont des invariants canoniques. Bon, ça c'est d'une première raison. La deuxième raison, c'est que l'on va voir, oui, que par via un principe de correspondance, comment on passe de la mécanique classique à la mécanique quantique ? Parce que, en fait, un crochet de poisson, on va faire correspondre ce qu'on appelle un commutateur, oui, d'opérateurs quantiques, où les fonctions UV vont être remplacées par ce qu'on appelle des opérateurs quantiques, mais c'est-à-dire que ce sont des matrices, et que toute la structure algébrique en fait, de ces crochets de poisson va se retrouver en fait, par rapport à ce nouveau commutateur,
qui est doté en fait de ce qu'on appelle une structure algébrique de Lie. Et c'est ainsi qu'est née la mécanique quantique. Donc c'est très important de voir les crochets de poisson et puis en particulier toutes leurs propriétés. Donc voilà, on va voir ici donc toutes les propriétés des crochets de poisson qui sont les suivantes. Alors tout d'abord, le crochet de poisson de la paire de fonctions U égale 0. Bon, ça c'est trivial parce qu'en fait on peut le démontrer à partir de la deuxième propriété. En effet, si la deuxième propriété est exacte, étant donné que si je remplace par exemple V par U, j'obtiens que le crochet de poisson est égal à son opposé. Ça ne peut être vrai que s'il est nul. Hein, d'accord ? Bon, alors, la deuxième propriété, bon, elle est facile à démontrer. Hein. Donc, si j'évalue le crochet du poisson UV, je le fais vite ici. Hein. Donc, c'est la dérivée de U par rapport à UI, dV dPI moins dU dPI comme dV dQI. Ici, alors ceci, je peux dire, oui, c'est égal à moins. Alors, je remets le premier dV dQI fois dU dPI, moins. Alors, le second, moins, ça me fait plus, ça fera dU. Alors, non, je remets d'abord dV, dPI fois dU dQI, comme ceci. Et ça, je trouve que, évidemment, ça, ce n'est rien d'autre que moi. Et ça, c'est le crochet de poisson de V de U. D'accord ? Donc, je vois que le crochet de poisson est doté, oui, de la propriété d'antisymétrie. Donc, ça, c'est trivial. Bon, ça, c'était plus facile à démontrer. Celui qui est plus difficile à démontrer, c'est en fait la dernière propriété, qui est appelée l'identité de Jacobi. Mais avant d'y arriver, vous voyez, il y a deux autres propriétés qui apparaissent. En fait, celle-ci, elle est très facile à démontrer, donc je vais vous laisser le soin de le faire, aussi la suivante. Mais ça, c'est la propriété de linéarité, hein, du crochet de poisson, si A et B sont deux constantes. Donc la propriété qui est la plus difficile à démontrer, c'est la troisième, donc qui est dite identité de Jacobi, à savoir que l'ensemble, oui, des trois doubles crochets de poisson, oui, dans lesquels, vous voyez, chacun des thèmes correspond en fait à une permutation successive des fonctions UV, W, qui apparaît dans le premier membre, oui, est égal à 0. Donc vous voyez, UV, W. Alors, si je le fais tourner, hein, j'ai là d'abord U, puis là V, W, puis je mets U là, donc V doit apparaître là et W là, et puis je mets U là, V doit apparaître là et W là. C'est ce que vous voyez dans les deux autres doubles crochets de poisson. Donc c'est de démontrer que la somme de ces trois doubles crochets de poisson est égale à 0. Alors oui, on peut voir, oui, le crochet de poisson, on avait comme en fait un opérateur de multiplication, je dirais, généralisé. Alors on dirait que, tiens, cette opération de multiplication généralisée est dotée de la propriété d'antisymétrie, de linéarité. Et puis ici, je dirais, ça c'est un essai de généraliser la propriété d'associativité, oui, d'un produit. Mais je vois bien qu'en fait, ce n'est pas associatif. Oui. Donc, une algèbre qui est dotée de ces trois propriétés, donc à savoir l'antisymétrie, la linéarité et l'anti-associativité, oui, c'est une structure d'algèbre de Lie. L-I-E. Alors, est-ce qu'on connaît d'autres opérateurs qui sont dotés, hein, d'une telle structure? Eh bien, il y a par exemple le produit vectoriel de vecteurs, oui, eh bien c'est tout à fait pareil. Donc, V A fois vectoriellement B, c'est égal à moins B fois vectoriellement A. Puis vous pouvez vérifier la propriété de linéarité, et puis vous pouvez démontrer en fait l'identité de Jacobi s'il s'agit de produits vectoriels. Donc ici on aurait de doubles produits vectoriels, hein, par exemple de trois vecteurs A, B, C, et bien on démontrerait que A fois, entre parenthèses, B fois C, plus, hein, etc., est égal à 0. Et enfin, il y a un autre opérateur de multiplication, donc en mécanique quantique, qui est doté de toutes les mêmes propriétés, c'est enfin, le commutateur quantique, qui est défini de la façon suivante. On définit donc un commutateur quantique
AB. Vous avez déjà eu les courbes avec l'argentique, oui. Hein, donc qui est égal au produit des matrices A fois AB moins B fois A. Et donc ce produit-là aussi est doté en fait d'une structure d'algèbre de Lie. Donc, démonstration de la troisième propriété. Enfin, non, de la dernière, hein. Là, c'est la cinquième, donc l'identité de Jacobi. Alors tout d'abord, oui, je représente hein, U indice I comme étant égal à la dérivée partielle de la fonction U par rapport à la coordonnée à la variable canonique eta I. D'accord ? Et VIJ, oui, ce sera la dérivée seconde de la fonction V par rapport aux variables canoniques eta I eta J. Alors, avec bon, ces nouvelles quantités ainsi définies, oui, comment puis-je représenter le crochet canonique des fonctions UV? Eh bien, on est bien d'accord que UV, hein, donc on le voit ici, donc je peux le faire ici. Je dis, bah, ici, c'est en fait le produit scalaire hein, de deux vecteurs. Donc c'est somme sur I et somme sur, enfin, somme sur I, donc du produit de ces deux coordonnées de vecteurs. Alors, ceci par définition, hein, ce sera UI. Et ici, si je prends l'élément I du produit de la matrice par ce vecteur colonne, bien ce ne sera rien d'autre que JIJ fois la dérivée de V par rapport à l'état J, c'est-à-dire VJ, comme ceci. Où JJ, IJ, représente l'élément IJ de la matrice hein, carré 2Z fois 2F. Donc, j'ai une façon hein, qui va être très compacte de présenter le crochet de Poisson en termes de dérivées premières de fonction U et V, comme indiqué là. Alors maintenant, un double crochet de Poisson, comment je vais pouvoir le représenter? Eh bien, regardez, le double crochet de Poisson de U, V, W, hein, qui est le premier terme par restant dans cette triple somme, ben, c'est égal, on est bien d'accord, à UI, JIJ, fois la dérivée par rapport à état J hein, du crochet de Poisson VW. Oui. Si là au moins un problème, hein, je dirais, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas. Mais le crochet VW, oui, regardez comment je le représente. Je représente comme étant égal à VK fois JKL WL. Donc j'ai fait hein, une somme sur deux indices muets, qui la première fois était IJ, et la deuxième fois j'ai utilisé les indices K et L. Donc ici la IJ qui apparaît, n'oubliez pas, c'est la dérivée par rapport à la variable canonique état J. Alors, je crois que je vais donc recopier hein, ce double crochet là, oui, au début de la prochaine diapositive. Donc le voici. Donc je n'ai rien fait que de recopier. Et là, je vais m'intéresser. Hein, j'indiquais la dérivée par rapport à l'état J, hein, disons au produit des trois facteurs qui apparaissent entre parenthèses. Et je me dis, ben oui. Si je dérive hein, JKL par rapport à état J, combien je vais trouver? Si je dérive l'élément JKL par rapport à état J, combien je vais trouver? Vous avez une idée? Donc l'élément JKL, oui, c'est soit 1 ou 0. Oui. 1, vu que j'ai vu que dans cette matrice 2F sur 2F, il n'y apparaissait que des 0 ou des 1. Donc, lorsque j'ai dérivé par rapport à état J, je trouve que ça va être 0. Oui. Donc, les seules quantités que je vais devoir dériver, ce seront les fonctions hein, VK, qui est la dérivée de V par rapport à état K, et la dérivée de W par rapport à J. Donc, alors appliquons la dérivée. Hein, donc, qu'est-ce que je vais trouver? Mais je trouve tout d'abord que c'est égal à UIJIJ, et puis j'applique la dérivée par rapport à état J. Donc, je trouve tout d'abord, ça je ne dérive pas, c'est VK fois JKL fois WLJ. Hein, d'accord. Donc je dérive tout d'abord ce terme-là, WL, par rapport à état J, et j'appelle ça WLJ. Puis plus, alors je dérive alors cette fois-ci le premier, donc ce sera VKJ fois, en fait,
JKLWL, hein, que je ne dérive pas. C'est clair pour tout le monde, ceci. Donc, j'applique simplement la dérivée, hein, un produit de thème. Comment j'ai trois facteurs, en fait, mais j'ai un facteur constant, donc je peux considérer qu'il n'y a que seulement deux facteurs dérivables. Oui. Donc je dis, voilà, c'est en fait le premier fois la dérivée du second, plus la dérivée du premier fois le second. Hein, tout simplement. Et donc, ce qui est intéressant, oui, c'est que, bon, si je m'intéresse essentiellement ici aux dérivées secondes de la fonction W, d'accord, eh bien, je vois que, à cause de ce crochet du poisson, double crochet de poisson, apparaît, bon, dans cette expression, une fois la dérivée seconde de la fonction W. D'accord. Puis, dans l'autre, je vois qu'il apparaît évidemment une dérivée seconde de l'autre fonction V. Et je remarque que VW est à l'intérieur, oui, du double crochet de poisson. Et qu'il n'y était pas à l'intérieur d'un simple crochet de poisson, je ne vois pas apparaître de dérivée seconde, bien entendu. Donc je vois que chaque fois que j'ai un double crochet de poisson, oui, il apparaît une dérivée seconde, oui, de des fonctions qui apparaissent sous le double crochet. Alors si je me demande, mais tiens, initialement, hein, donc dans l'expression précédente, hein, qui est ici, donc celle-ci, donc je dirais ce premier membre, hein. Quel est l'autre thème qui va me donner une dérivée seconde? Celui-ci, certainement pas, on est d'accord, le W ne se trouve pas à l'intérieur du double crochet de poisson, mais celui-ci, oui, c'est le second. Donc c'est le crochet de poisson de V, alors je vais peut-être écrire au tableau. Donc, c'est le double crochet de poisson. Donc, la seule autre dérivée seconde double que je vais voir apparaître, oui, sera due à ce double crochet de poisson qui est V, V plus U, W, U, comme ceci. Donc, je suis arrivé ici. Alors, bon, je peux maintenant, évidemment, développer, hein, ce double crochet de poisson, comme j'ai fait auparavant. Donc, je dis, voilà, ça c'est égal à VK fois JKL. Alors, ici, je mets WU, et là, je mets L. Donc je dis ça c'est encore égal à VK fois JKL. Alors le WU, je dis voilà, c'est WJ fois JJI, UI, et puis je mets L. Et enfin, je vais maintenant appliquer la dérivée par rapport à la coordonnée état L, oui, à toutes ces quantités. Alors qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que c'est VK fois JKL, alors, multiplié par, tout d'abord je vais avoir du WJL fois JJI UI U plus, alors cette fois-ci le premier je ne dérive pas, le JJI c'est une constante, mais je dérive le second, UIL. Et donc je vois, c'est ça qui est important, que la seule autre contribution qui porte la dérivée seconde de la fonction W est donnée par ce terme-là. D'accord? Si bien que, ici je regarde, donc le terme qui contenait WJ, hein, donc c'est bien JIJ fois JKL fois UI fois WLJ. Ça, c'est la première contribution qui contient une dérivée seconde de la fonction W. Et la seconde contribution, ben, c'est celle-ci, celle que je viens de calculer. Vous voyez, ce sera JJ fois JKL fois petit UI fois VK fois WJL. Mais WJL, oui, c'est égal à WLJ. Hein, parce que, bon, peu importe l'ordre dans lequel j'effectue
mes dérivées secondes, d'accord ? Soit par rapport d'abord à état J, et puis par rapport à état L, ou état L, et ensuite état J. Et maintenant, si j'additionne ces deux termes-là, qui contiennent des dérivées secondes de fonction W, qu'est-ce que j'obtiens ? Bien, j'obtiens, regardez bien, j'aurai ici JJ, que multiplie alors JKL, UI, VK, WLJ, qui apparaissait là, plus, alors JJ, alors le JKL je le retrouve là, UI, VK sont là, et là le WJL, j'ai dit c'est égal à WLJ. Alors la somme de ces deux termes, oui, est égale à 0, à cause de la propriété d'antisymétrie de la fonction J, grand J. On a vu que J et J, transposé, était égal à moins J et J, donc la somme de ces deux termes est égale à 0. Donc ce que je viens de voir, oui, c'est que la somme des deux termes qui faisaient intervenir les dérivées secondes de W, oui, est égale à 0. Alors par double crochet de poisson, j'ai toujours deux termes, oui, qui font intervenir la dérivée seconde soit d'une fonction, soit de l'autre. Comme j'ai trois doubles crochets de poisson, j'ai en tout six termes. Oui. Deux qui font intervenir la dérivée seconde de W, deux qui font intervenir la dérivée seconde de U, et deux qui font intervenir la dérivée seconde de la fonction V. Alors, ce que je viens de démontrer pour W, bien, je peux évidemment, par permutation cyclique de mes fonctions UV et W, démontrer que c'est pareil. Oui. Et donc, en fait, j'aurai, dans la somme des six termes, trois fois la somme de deux termes qui, 2 à 2, me donne 0. Oui. Si bien qu'en définitive, oui, donc j'arrive facilement à démontrer cette propriété, l'identité de Jacobi, qui caractérise en fait tout à fait la structure algébrique des doubles crochets, enfin des crochets de poisson. Donc voilà toutes ces propriétés importantes. Alors vous pouvez, pour vous amuser chez vous, là, oui, voir si, lorsque je prends la somme des trois doubles crochets de poisson de ce commutateur quantique, si j'obtiens aussi bien l'identité de Jacobi, c'est certain que vous le verrez. Alors maintenant, oui, oui, ici c'est le principe de correspondance dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, oui, donc, pour passer en fait de la mécanique analytique à la mécanique quantique, on applique, je le répète, le principe de correspondance, qui est le suivant, c'est que ici, aux fonctions U et V qui sont moins C1, je fais correspondre donc le commutateur quantique que voici, mais où les fonctions ne sont plus U et V, mais sont des opérateurs quantiques, à savoir des matrices qui représentent donc des quantités bien connues. Par exemple, il y a Hamiltonien. Et H bar, c'est H sur 2π, la constante de Planck élevée sur 2π. Alors maintenant, oui, on va formuler, oui, donc la mécanique hamiltonienne en termes des crochets de poisson. Alors considérons une variable dynamique la fonction grand G, enfin petit g, donc qui est fonction des variables canoniques petit q, p et t. Et ce que je vais faire, je vais prendre la dérivée par rapport au temps de cette fonction-là, dérivée totale. Alors regardez bien le développement qui suit. Donc la dérivée de g par rapport à t, c'est donc bien la dérivée de g d'abord par rapport au petit q fois q point ti, plus dérivée de g par rapport à p fois p point t, plus la dérivée de g par rapport à t. Ensuite, je sais via Hamilton, enfin les équations canoniques d'Hamilton, que q point ti, c'est la dérivée de h par rapport à pi, et que p point ti, c'est moins la dérivée de h par rapport à qi. Donc, moins la dérivée de h par rapport à qi. Donc, je reconnais ici, bien entendu, oui, un crochet de poisson, le crochet de poisson de la fonction g et de la fonction h. Donc je réécris cette équation d'évolution de variable dynamique g comme étant égale au crochet de poisson de g de h plus dg dt. Or maintenant je sais que ce crochet de poisson, oui, est un invariant canonique, donc il ne dépend pas des variables canoniques par rapport auxquelles je l'évalue. Oui. Si bien que ceci, c'est une équation d'évolution
qui est indépendante des variables canoniques. Donc, si je mélangeais les anciennes variables canoniques, eh bien voilà la forme que prend son équation d'évolution. Si je fais dépendre par rapport à de nouvelles variables canoniques, eh bien voici aussi l'équation qui décrit l'évolution de cette variable dynamique. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est, par exemple, décrire l'équation d'évolution de G en termes symplectiques. Alors comment je fais, hein? Ben, je dis, ben, je vois là que G dépend du vecteur colonne eta et puis de t. Et je dis, ben voilà, la dérivée de G par rapport à t, c'est la dérivée de G par rapport à eta fois eta point t, et plus la dérivée de G par rapport à t. Mais eta point t, je sais, hein, via la forme symplectique des équations d'Hamilton, que c'est J fois dH d'eta. Ben, je retrouve quelque chose de tout à fait équivalent, parce que on peut démontrer évidemment que le crochet de Poisson de fonction GH, grâce à cette définition-ci, ce n'est rien d'autre que J fois la dérivée de H par rapport à l'état. Oui. C'est parce que ici vous avez la dérivée de l'état par rapport à l'état, oui. Donc c'est soit 1, soit 0. Donc on démontre évidemment que ceci, ce n'est rien d'autre que ça. Donc vous voyez que vous approchez, hein, cette équation d'évolution dans le contexte symplectique ou bien au moyen des doubles crochets, enfin des crochets de Poisson, vous obtenez la même équation d'évolution. Alors maintenant, on peut s'amuser et remplacer la fonction G par les variables canoniques elles-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas-là? Ben voilà, regardez bien, si je mets ici, je remplace G par QI, j'aurai que Q.TI est égal, évidemment, à QI, H, plus, alors, les QP et T sont des variables indépendantes, si bien que si je dérive QI par rapport à T, de façon explicite, c'est égal à 0. Alors pareil pour les, si je remplace G par PI, donc j'ai P.TI égale, prochaine Poisson de PIH. Alors ceci, je peux encore le représenter sous la forme suivante, eta point t est donc égal au crochet de Poisson de eta virgule h. Alors tout comme j'ai démontré, hein, tout à l'heure que oui, le eta h, hein, ce n'est rien d'autre que, donc si je remplace une fonction UV, hein, par eta h, j'ai évidemment que là je vais avoir 1, et puis ce sera j. La matrice J fois la dérivée de H par rapport à l'état. J'ai évidemment cette relation. Et bon, je retrouve en fait les équations canoniques d'Hamilton en fait. Donc, ceci, ce n'est rien d'autre, hein, que les équations canoniques d'Hamilton, hein, qui sont présentées de façon extrêmement condensée et sous forme d'un crochet de Poisson, qui est un invariant canonique. Bon, toutefois, attention. Si au lieu d'utiliser eta, j'utilise les coordonnées de zeta, mais ici je vais mettre zeta point t est égal à zeta virgule k, hein, grand K, le nouvel Hamiltonien. Alors si jamais la transformation canonique qui fait passer des eta au zeta ne dépend pas explicitement du temps t, alors évidemment grand H sera égal à grand K dans ce cas. Autrement, non, il faut mettre grand K. Donc, ça c'est important, je veux résumer ici. Donc, les équations canoniques d'Hamilton, hein, sous forme de crochet de Poisson, eh bien, ce n'est rien d'autre que ceci. Et sous forme symplectique, évidemment, c'est J fois la dérivée de H par rapport à T. Ah, maintenant, imaginons que je remplace la fonction G par le Hamiltonien lui-même. Oui. Bon, alors j'ai que la dérivée de H par rapport à l'T est égale au crochet de Poisson de HH, et ça c'est 0, plus la dérivée de H par rapport à l'T. Et on retrouve une équation d'évolution bien connue, bien, qu'on avait déjà établie précédemment. Oui, donc la dérivée totale de l'Hamiltonien, c'est égal à la dérivée partielle par rapport au temps T. Hein? Ainsi, si jamais le temps n'intervient pas de façon explicite dans l'Hamiltonien, oui, ceci est égal à 0. Ce qui implique que le Hamiltonien est une intégrale première, donc on sait bien que dans ce cas-là, en général, une équation de conservation de l'énergie, étant donné que grand H est égal à T plus E, l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle.
Donc, des questions là-dessus? Tout est clair. Donc, maintenant, supposons, donc j'en viens ici à ma pièce, hein, je repars de cette équation-ci, et je suppose que cette fois-ci, la fonction g, c'est une intégrale première. Hein, je suppose que c'est une intégrale première. Donc, la dérivée de g par rapport à t est égale à 0. Oui. Donc, ça veut dire que ceci est égal à 0. Donc, la dérivée de g par rapport à dt, hein, partiellement évidemment, serait égale à crochet poisson de hg. Hein. Voilà, ici. Et donc ici, j'ai un moyen, en fait, analytique. Donc, toute fonction qui vérifie hein, cette équation est une intégrale première. Et donc ici, j'ai un test, en fait, pour trouver des intégrales premières. Donc, et puis, vous cherchez, puis vous trouvez une fonction g qui vérifie ceci. Eh bien, je sais automatiquement que c'est, en fait, une intégrale première. Intéressant. Maintenant, supposons que j'ai une intégrale première, mais évidemment, elle vérifie cette équation-là. Alors, d'autre part, on peut... Imaginez qu'on ait une intégrale première, g, qui ne dépend pas explicitement du temps t. Dans ce cas-là, j'ai évidemment que le crochet de poisson à g est égal à 0. Oui. Et on voit que par le principe de correspondance en mécanique quantique, on a aussi le cas que si on a une quantité qui commute avec le hamiltonien, oui, et bien alors c'est en fait une quantité qui est conservée. Donc c'est tout à fait pareil. Alors maintenant, on va démontrer oui, donc un théorème qui s'appelle le théorème de Poisson et qui dit ceci. Si vous avez deux intégrales premières, U et V, oui, U et V, eh bien la fonction W hein, qui est donnée par le crochet de Poisson de ces deux intégrales premières est aussi une intégrale première. Donc ça c'est joli, hein, parce que imaginez vous ayez un problème de mécanique. Et vous trouvez deux intégrales premières, par exemple, lorsque vous étudiez le mouvement de la toupie, et bien si vous prenez le crochet de poisson de ces deux intégrales premières, ça vous donne, en principe, si le théorème est correct, une nouvelle intégrale première. Donc, démontrons-le. Donc, il faut démontrer que la dérivée de W par rapport à dt est égale à 0 si la dérivée de U par rapport à dt et la dérivée de V par rapport à dt sont égales à 0. Hein, c'est ça le théorème. Alors, la dérivée de W par rapport à dt, bon, c'est égal à quoi? Ben, on a vu tout à l'heure la dérivée de g par rapport à dt, hein, c'était égal à crochet de g virgule h plus dg dt. Donc, je remplace g par W, et voilà ce que j'obtiens. Alors, je recopie, je remplace le W ici par le crochet de poisson UV, donc j'ai que la dérivée partielle par rapport au temps du crochet de poisson UV, plus, alors, ici, j'aurai le crochet de poisson de W, c'est UV, suivi de H. D'accord? Donc, je vois que cette équation fait intervenir un double crochet de poisson, ici. Alors, c'est ici que je vais utiliser l'identité de Jacobi. Oui. L'identité de Jacobi. Qui me dit quoi? Alors, je vais le réécrire ici. Donc, il dit en fait que, comme vous voyez, je vais faire la somme de trois crochets, double crochet de poisson, UV, H. Alors, je mets plus, hein. Alors, je mets tout de suite les trois double crochets de poisson, ici. Et bien, c'est bon. Donc, j'ai UV, H. Puis là, je mettrai U, V, H, et enfin je mettrai U là, V, H est égal à 0. Donc de ceci, je dis hein, que le double crochet de poisson de UV V, H sera égal à. Alors ici, je vais mettre. Je repasse dans le nombre de droite, oui, donc je vais simplement inverser. La forme de mes crochets de poisson, du plus, voilà. Donc, celui-ci, si j'inverse, hein, ça me donnerait V, et ici, H, U. Et celui-ci, si je l'inverse, ça me donnerait U, V,
H, comme ceci. Juste. Il me semble. Donc, je vais substituer dans cette équation le manque de gauche par le manque de droite. Et donc, ce que j'obtiens, c'est ceci. Donc, le dW dt sera égal à... Alors ici, vous voyez, donc, ça c'est facile à faire soi-même, hein, chez soi, je veux dire, oui. Donc, de démontrer que si j'ai le dérivé partiel d'un double crochet de poisson, c'est égal tout d'abord à la somme de deux crochets de poisson. Vous voyez ici, le premier terme, c'est la dérivée de la première fonction par rapport à dt plus v, plus ceci qui n'est pas dérivé, virgule la dérivée par rapport à dt de la deuxième fonction, de cette figure. Et puis ici, le lien, je vais mettre ici, hein, ce résultat-ci. Donc j'ai u, virgule vh, plus v, virgule hq. D'accord ? Donc on est là. Ensuite, je réécris ceci en condensant l'écriture. Je dis, voilà. Ça, c'est aussi égal, hein, alors, à un crochet de poisson, virgule v. Alors, qu'est-ce qui fait intervenir virgule v ? Ben, il y a celui-ci, donc j'ai du du dt. Et puis, je vois aussi v ici. Mais il est du mauvais côté. Donc, je vais devoir changer. Donc, mettre u, virgule h au début, quoi, comme ceci. Hein, d'accord ? Puis, plus. Alors, qu'est-ce qui reste ? Il reste u, virgule. Alors, u, virgule dv, dt, et puis u, virgule, plus vh, hein, comme ceci. Et là, je reconnais, en fait, hein, que la somme de ces deux termes, ce n'est rien d'autre que le crochet de poisson. Mais non, ça, c'est par définition la dérivée totale de u par rapport à dt. Et ceci, ce n'est rien d'autre que la dérivée totale de v par rapport à dt. Or, j'ai supposé que u était une intégrale première, v était une intégrale première, donc du dt égale à 0, dv dt égale à 0. Donc je trouve en définitive que dw dt est aussi égal à 0. Oui, comme ceci. Donc si u et v sont deux intégrales premières, j'ai démontré que le crochet de poisson construit à partir de ces deux intégrales premières était aussi une intégrale première. Et ceci, donc, c'est, je vous ai dit, ça c'est le théorème de Poisson. Ok. Alors on peut toujours se demander, hein, comment je dirais, oui, les mécaniciens, je dirais, du 19e siècle, et même avant, on pensait à des, disons, aux équations de Newton, quand on voit tomber la neige, on se dit, voilà, deux corps, quelle que soit leur masse, arrivent au sol, disons, c'est de haut, au même moment. Donc, imaginez, vous montez sur le toit, vous lancez une boule de plomb, on va se rendre compte qu'elle tombe pas en même temps que le flocon de neige. Donc, c'est toujours extraordinaire, non, l'abstraction dont ils ont pu faire preuve pour énoncer de telles lois, comprendre, en fait, qu'il y avait de la friction, évidemment, dans ce cas-ci, sur le flocon de neige. Mais, évidemment, je l'ai dit. Alors voilà, maintenant, on aborde un petit chapitre, transformation canonique infinitésimale et intégrale première, d'accord ? Vous vous rappelez, on avait vu un peu cela des transformations ponctuelles infinitésimales et puis les intégrales premières dans le cadre de la mécanique lagrangienne. Oui, donc maintenant, on est dans le cadre hamiltonien et on va voir à quoi cela ressemble-t-il. Alors tout d'abord, je vais invoquer, oui, une classe de transformation canonique, hein, qui est la suivante. Ce sont des transformations qui peuvent être déformées d'une façon continue, hein, jusqu'à aboutir à la transformation identité. Oui. Donc, je vais envisager toute cette classe de transformations canoniques. Donc, transformations qui, lorsque je les déforme de façon continue, je peux aboutir à la transformation identité. Alors, comment procéder ? Eh bien, voilà. Tout d'abord, je vous rappelle que on avait vu que dans la deuxième famille, hein, des fonctions F2, qui dépendent des anciennes variables et des nouvelles impulsions canoniques, oui, qui étaient égales à QI, PI, on pouvait engendrer la transformation identique. Donc, pour ce faire, hein, pour la deuxième classe, on utilise, hein, donc, ces équations-là, donc, qui sont la reprise. Alors, cette fonction-là, F2 de QP, on l'a rebaptisée SE, d'accord, de QP. C'est ainsi qu'on l'a trouve dans la littérature.
Et voilà, bon, j'ai copié hein, ces équations-là qui permettent de démontrer que les nouvelles impulsions correspondent aux anciennes et les nouvelles coordonnées correspondent aux anciennes coordonnées canoniques. Alors maintenant, ce que l'on va faire, regardez bien, je vais considérer une quantité infinitésimale, epsilon, donc on va tendre petit r vers 0, et une fonction, sigma, alors des anciennes coordonnées et des nouvelles impulsions canoniques, qui est continuellement dérivable au moins une fois. Et je vais construire une nouvelle fonction génératrice qui est égale donc à celle qui a induit la transformation canonique identique, plus, alors vous voyez, epsilon, multiplié par cette fonction sigma de QP, donc qui est au moins une fois continuellement dérivable, plus ensuite des ordres qui peuvent être d'ordre 2. Alors donc, je trouve hein, que sigma de QP, oui, je peux la représenter comme étant égale à la dérivée de S de QP epsilon par rapport à epsilon, vu qu'alors je retrouve sigma, et puis en epsilon égale 0 pour que tous mes termes d'ordre 2 s'annulent. D'accord ? Donc, il faut bien se rappeler, je vais noter au tableau, donc la fonction sigma qui dépend des anciennes coordonnées, des nouvelles impulsions canoniques, c'est égal à la dérivée partielle donc, de la fonction grand S par rapport à epsilon, et ceci évaluant epsilon égale 0. Je le mets là parce que je m'en servais tout à l'heure. Bon, alors j'applique, comme il s'agit encore ici d'une fonction de la famille, de la deuxième famille, j'applique ces mêmes équations pour voir à quoi vont conduire ce changement de variable. Alors voilà, je trouve alors tout d'abord que grand QI, c'est la dérivée de grand S par rapport à grand PI. Alors quand je dérive grand S par rapport à grand PI, tout d'abord ceci, ça me redonne petit QI, plus epsilon que la dérivée de sigma par rapport à grand PI, puis plus les termes d'ordre epsilon carré. Hein, pas compliqué. Ensuite l'autre, petit PI, c'est égal à la dérivée alors de grand S par rapport à QG, oui donc c'est PG, donc par rapport à QG, qui donc lorsque je dérive ceci par rapport à QG, je réobtiens grand PJ, voici ici, et puis plus epsilon fois la dérivée de sigma par rapport à QG. Alors maintenant, je vais démontrer en fait que je peux remplacer la dérivée de sigma par rapport à grand PI tout simplement par la dérivée de sigma par rapport au petit PI. Pourquoi ? Parce que les grands PI diffèrent des petits PI que par des termes d'ordre epsilon. Et lorsque je vais me remultiplier cet epsilon par un autre epsilon, ça va me donner de l'epsilon carré. Donc je peux indifféremment, oui, ici, choisir de dériver par rapport aux nouvelles impulsions ou bien par rapport aux anciennes impulsions. Alors, on peut le démontrer aussi donc, de façon suivante. Je dis, voilà, imaginez que je dérive sigma, donc qui dépend en principe des grands P, mais les grands P dépendent du petit P, des petits Q, de T éventuellement. Et ensuite, dépend des petits Q. Alors, si je dérive ceci par rapport à petit P, hein, qu'est-ce que j'obtiens ? Ben, j'obtiens la dérivée de sigma, alors, par rapport au grand PJ, puis fois la dérivée de grand PJ par rapport au petit PI, puis plus, alors j'aurai la dérivée de sigma, si je pourrais dire par rapport au QJ, fois la dérivée de QJ par rapport au PI, ça me fait 0, évidemment, oui, plus quelque chose qui vaut 0. Alors, la dérivée de PJ par rapport à PI, qu'est-ce que ça fait ? Ben, je vois que PJ, hein, grand PJ, c'est égal à petit PJ
moins epsilon fois la dérivée de sigma par rapport à petit qj. Ouais. Plus le terme d'ordre epsilon carré. Donc, lorsque je vais dériver grand pj par rapport à petit pi, j'obtiens que c'est égal à la dérivée de petit pj par rapport à petit pi. Et ça me fait delta ij. Puis je vois moins epsilon fois la dérivée par rapport à petit pi fois la dérivée par rapport à qj de sigma plus des termes d'ordre en epsilon carré. Vous voyez ? Donc ce qui veut dire que ici la dérivée de pj par rapport à pi, donc ceci je fasse. Ici, la dérivée de pj par rapport à pi, je vais remplacer par ceci, hein, ce résultat-ci. C'est-à-dire, alors, du θ ij moins de l'epsilon fois la dérivée seconde de sigma par rapport à petit pi, petit qj. Alors si je vais sommer sur J, donc J devient égal à I, donc ici il me reste que cette dérivée de sigma par rapport à grand PI, et puis je peux mettre, hein, alors moins epsilon, ouais, fois plus de l'ordre epsilon carré. Et donc je vois donc que les deux dérivées ne diffèrent que par des termes qui sont au moins de l'ordre en epsilon. Si bien que quand je viens remplacer ici, hein, le d sigma pi par d sigma petit pi, plus le terme en epsilon, bon, le epsilon fois epsilon va me donner un ordre 2 que je néglige. Donc, j'espère donc que vous êtes convaincu que je peux remplacer ici la dérivée par rapport au grand pi par une dérivée par rapport à un petit pi. Oui. Alors, la prochaine étape, c'est la suivante, c'est de dire, voilà, je vais maintenant évaluer ce que vaut delta QI est égal en fait à grand QI moins petit QI. Je dis grand QI moins petit QI, ben, c'est égal à epsilon. Pour la dérivée de sigma. Alors ici, vous voyez que je viens mettre le petit pi plus. Ici, je mets que delta petit pi, c'est égal à grand. Je mets j en fait. Hein. Delta pj, c'est égal à grand pj moins petit pj. Alors, grand pj moins petit pj, ce sera moins epsilon. Fois la dérivée de sigma par rapport à petit qj plus le terme epsilon carré. Et je dis, ben voilà, ceci je peux encore le représenter hein, comme étant égal. Alors je néglige hein, définitivement tout ce terme d'ordre 2. Je dis, ceci ça peut encore être représenté par epsilon multiplié par le crochet de Poisson de qi. Et de sigma. Alors, est-ce que c'est correct ce que j'ai écrit? Bon, on va le vérifier. Et puis ici, je dirais que c'est égal à epsilon, en fait, de petit pj et de sigma. Alors, évaluons oui, ce premier résultat et démontrons que c'est exactement la même chose que ce que j'avais ici. Alors, epsilon hein, fois le crochet de Poisson de petit qi fois sigma, c'est égal à quoi? C'est égal à epsilon, alors fois la dérivée partielle tout d'abord de petit qi par rapport à qj, fois la dérivée de sigma par rapport à pj, moins la dérivée de petit qi par rapport à pj. Pour la dérivée du sigma par rapport à qj. Vous êtes d'accord?
par définition du crochet de poisson. Alors la dérivée de QI par rapport à PJ, ça fait 0. La dérivée de QI par rapport à QJ, c'est delta IJ. Ceci, c'est delta IJ. Alors je vais sommer sur J, et J devient égal à I. Donc il va me rester epsilon fois la dérivée de sigma par rapport à PI. Qui était bien le résultat que j'avais là. D'accord ? Et puis de façon identique, hein, je peux démontrer que le deuxième, lorsque j'évalue epsilon PJ sigma, donc ici aussi ce sera égal à epsilon. Alors multiplié par, tout d'abord ici je vais avoir dérivée de PJ par rapport à QI, fois dérivée de sigma par rapport à PJ, ça fait 0. Puis moins la dérivée de PJ par rapport à PI, fois la dérivée de sigma par rapport à QI. Alors ici je vais avoir un delta IJ. Alors je somme sur I, I devient égal à J. Il va me rester moins epsilon fois la dérivée de sigma par rapport à QJ. D'accord ? Donc je vois que j'ai trouvé une façon très élégante hein, de représenter ces quantités-ci sous la forme de crochets de poisson. Et alors, de façon encore plus condensée, oui, je peux donc écrire hein, ici que le delta du vecteur colonne eta, ce n'est rien d'autre que epsilon du crochet poisson du vecteur colonne eta pour la fonction sigma. Donc voilà, ça c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est ce que j'ai fait sur l'autre diapositive. Donc on est arrivé à 2.88. Donc maintenant je résume avec des mots là tout ce qu'on vient de faire. Donc on a défini en fait une transformation de variable canonique que je peux appeler la transformation infinitésimale parce que je fais tendre à l'epsilon de 0 qui va induire la transformation identique. Et donc cette fonction sigma du QP qui induit hein, cette transformation canonique qui est quasiment identique à la transformation identité, c'est ce que j'appelle donc, la fonction génératrice oui, de cette transformation canonique infinitésimale. Alors je vois que donc, cette fonction génératrice, elle a pour effet de quoi ? Ben, de transformer en fait mes anciennes coordonnées en de nouvelles. Donc, qui est bien résumé dans cette équation-ci, je vois que les nouvelles coordonnées diffèrent des anciennes, oui, tout d'abord par le produit de la quantité epsilon, donc qui est un infiniment petit, multiplié par un crochet de poisson qui fait intervenir la fonction génératrice de la transformation de coordonnées et le vecteur variable canonique binaire. D'accord ? Très bien. Donc, c'est ceci. Donc, ici, cette première partie, hein, on l'obtient toujours à partir de ce résultat qui est établi là-bas. Alors, ici, j'ai rappelé la version 2.84, donc, qui induisait donc, cette fonction sigma, qui induit une transformation génératrice, qui induit une transformation de la variable canonique qui est presque identique à la transformation d'identité. Et je viens dans cette relation remplacer, regardez bien, la fonction epsilon par dt oui, et la fonction sigma par hamiltonien. Alors donc, là-haut, qu'est-ce que je devrais faire ? Donc le epsilon, je remplace par dt et la fonction sigma par le hamiltonien. Alors, pour que ce soit clair, je vais le faire ici au tableau. Donc, je me sers la fonction de l'hamiltonien pour induire une
transformation de Riyad Kanouk. Et j'obtiens donc que, ici, hein, je n'aurai que le delta QI. Alors, regardez, je divise par dt. Oui. Est égal à QI H. Mais ça, je sais que ça, c'est... Ce sont les équations canoniques d'Hamilton en termes des crochets de poisson. Ça, ce n'est rien d'autre que Q.dI. C'est-à-dire dQI sur dt. Oui. Et donc, je me dis, mais tiens, ça veut dire que le delta QI, en fait, c'est égal à dQI. Donc, ce qu'on vient de démontrer, ça c'est très amusant, oui, c'est que le hamiltonien, oui, est une fonction génératrice qui a induit un changement de coordonnées. Donc, il m'a calculé les nouvelles coordonnées par rapport aux anciennes, oui, mais de façon telle que celles-ci décrivent, en fait, l'évolution de mon système mécanique au cours du temps T. Oui. Donc c'est très profond, quoi. Et c'est pareil pour le delta PI, évidemment. Oui. Donc je peux remplacer ici le epsilon par dt, hein, et j'obtiens donc delta eta sur dt est égal à eta h. Or ça, ce n'est rien d'autre que les équations canoniques d'Hamilton, c'est eta point t, c'est d eta sur dt. Donc je vois en fait que le delta eta, donc le changement de règle canonique, en fait, c'est, ça revient à décrire le changement de mes coordonnées au cours du temps. Et donc ça, c'est très profond. Oui. Parce que ça veut dire que, tiens, l'hamiltonien, ce n'est rien d'autre qu'une fonction génératrice d'une transformation de règle canonique, oui, qui induit, enfin, qui suit en fait l'évolution des coordonnées au cours du temps. Autrement dit, l'hamiltonien, quoi, est le générateur du mouvement. Oui. Non, c'est extrêmement profond, je dirais, le résultat qui a été établi par Hamilton. Donc, très bien. Donc, peut-être je peux faire un arrêt ici, est-ce que vous avez une question? Donc, je répète, hein. Donc j'ai vu que parmi les fonctions génératrices de type 2, il y a une fonction qui est rien d'autre que petit QI fois grand PI qui induit la transformation identitaire. Puis je dis, ben voilà, je définis alors une deuxième classe de fonctions génératrices qui est presque égale à cette fonction qui induit la transformation identitaire, mais qui en diffère d'un epsilon. Et devant lequel je viens mettre une fonction sigma que je vais appeler la fonction génératrice de cette transformation canonique infinitésimale. Alors je vois que lorsque je remplace epsilon par dt, le sigma par le hamiltonien, eh bien, cette fonction h qui induit transformation de variable, oui, correspond en fait à suivre, oui, l'évolution des coordonnées de mon système mécanique, donc dans un diagramme de phase au cours du temps. Donc c'est comme si mon hamiltonien était le générateur du mouvement. Alors maintenant, prochaine étape. En fait, je voulais vous demander quelle heure était parce que je n'ai pas d'horloge. Je vous demande. 22. Donc ça, donc encore à peu près 20 minutes. Alors maintenant, calculons. Donc je reprends ma variable dynamique, hein, F, qui dépend des variables canoniques, mais plus du temps t, de façon explicite, elle n'en dépend plus. Et puis j'aimerais bien calculer, hein, la variation de cette fonction-là lorsque j'induis une transformation de variable canonique au moyen de la fonction sigma. Donc ceci, c'est delta f, c'est calculer la fonction f où je fais intervenir mes nouvelles variables, moins la fonction f par rapport aux anciennes variables. Donc je dis, bon ben voilà, le delta f c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la somme de k égale 1 jusqu'à f, la dérivée de f d'abord par rapport à pk fois delta qk, plus la dérivée de f par rapport à pk fois delta pk. Alors tout à l'heure, on avait vu, donc, oui, donc cette relation 2,87, hein, qu'en fait le delta qi pouvait être représenté de cette façon-là, le delta pj de cette façon-là, donc je vais remplacer les delta qk, delta pk
par ce qui convient. Donc je vois apparaître ici du epsilon fois d sigma dpk, et là, de l'epsilon fois d sigma dq. Donc le delta pk, vous avez ici, c'est moins epsilon fois d sigma dqk. Donc ici, il y a une erreur, hein, donc c'est un qk que je découvre en fait maintenant. Alors ceci, ce n'est rien d'autre évidemment que le crochet de Poisson de la fonction f et de la fonction sigma. Donc je vois, lorsque j'induis une transformation des variables canoniques infinitésimales, comment varie cette variable dynamique. Ce n'est rien d'autre que le produit de cette constante infinitésimale par le crochet de Poisson de cette fonction f et la fonction sigma qui a induit la transformation canonique. Alors comme tout à l'heure, ce qu'on va faire, hein, il faut, c'est évident, on va remplacer epsilon par dt, sigma par h, on va voir qu'est-ce qu'il advient. Alors allons-y. Donc qu'est-ce que je fais? Je remplace epsilon par dt. Oui. Alors ici, je devrais avoir delta f sur dt, hein, égale f virgule h. Alors ça, c'est donc on retrouve un résultat qu'on avait déjà établi précédemment, à savoir que la dérivée totale de la variable canonique f, c'était égal au crochet de Poisson de f h plus la dérivée partielle de f par rapport à dt. Mais comme le f ne dépend pas du temps, c'est normal que c'est égal à 0, donc on retrouve déjà un résultat établi précédemment. Donc ça, c'est bien. Alors, maintenant, ce que je fais autre chose, regardez, je dis, voilà, maintenant j'aimerais bien essayer de calculer, oui, la variation de l'hamiltonien lorsque j'induis une transformation canonique au moyen, non pas de la fonction sigma, mais au moyen de la fonction f. Bon, alors c'est pareil, hein, vous remplacez f par h, donc ici f par h, et epsilon par gt. Donc j'obtiens bien que c'est epsilon, crochet de Poisson HF. Donc voilà ce que j'ai fait. Et à partir de ceci, je vais supposer maintenant encore autre chose. Donc le F là je ne bouge pas, mais là je remplace ce sigma par le hamiltonien. Donc c'est le hamiltonien maintenant qui va induire la transformation de variable canonique. Alors c'est pareil, donc je reviens là-bas. Donc le epsilon, je le pose égal à dt, puis le f, il reste pareil, et le sigma, j'ai remplacé par h. Et à partir de ceci, je peux trouver des résultats très intéressants qui sont les suivants. Bon, imaginons par exemple que la fonction f est une intégrale première. Donc ça veut dire la dérivée totale de f par rapport à dt, c'est égal à 0. Ça veut dire que ce crochet de Poisson est égal à 0. Mais si ce crochet de Poisson fh est égal à 0, cela implique que hf est aussi égal à 0. Si ceci est égal à 0, cela veut dire que le hamiltonien est conservé, oui, au cours de cette transformation de variable canonique. Et inversement, si je trouve donc une transformation canonique, hein, qui laisse invariant le hamiltonien, donc h égale une constante, hein, si ceci est égal à 0, donc ce crochet-là est égal à 0. Si ce crochet-ci est égal à 0, celui-là est égal à 0. Cela implique que la fonction f qui a induit mon changement de variable canonique, oui, est une intégrale première. Et là, je retrouve, hein, si je pense au théorème de Noether, oui, dans Pontet-Lagrangien, je retrouve l'analogie. Oui. Vous vous rappelez, dans le théorème de Noether, là, oui, on se disait, tiens, si le hamiltonien, par exemple, reste invariant au cours d'une rotation infinitésimale, il en résulte en fait une intégrale première qui était en fait que la projection du moment angulaire, oui, était une constante sur l'axe Z. Et si c'est pareil, je me dis, tiens, c'est marrant, si le hamiltonien au cours d'une transformation de la canonique reste invariant, donc ceci égale 0, ce crochet de Poisson est égal à 0, donc celui-là aussi, ça veut dire que la fonction qui a induit mon changement de variable canonique, oui, est une intégrale première. Donc je vois comment en fait le théorème de Noether, quoi, oui, je dirais, réapparaît dans le contexte hamiltonien au moyen de ces équations. Ok. Alors, exemple 5.
Donc, appliquons un petit peu tout ceci. Donc, je vais considérer tout d'abord là, une particule qui est représentée au moyen d'un vecteur R. Et puis, je vais lui faire subir une translation. Et je vais dire, voilà, la nouvelle coordonnée qui représente la position de la particule, nouvelle coordonnée, c'est R'. Donc voilà, R' égale R plus 1. Donc ça, ce sont les petits Q, ça, ce sont les grands Q. Donc voilà la transformation, je veux dire que je vis entre mes anciennes et mes nouvelles coordonnées. Alors je sais bien que lorsque... Oui, j'ai un système de particules, et que je fais une telle transformation des coordonnées, bien l'hamiltonien ne va pas être changé. Le H, l'hamiltonien, c'est P carré sur 2N, pour cette particule-là. Le P ne va pas changer. D'ailleurs, on va le voir dans un moment. Alors j'ai dit, voilà, la fonction S de type 2, qui fait intervenir les anciennes coordonnées et les nouvelles impulsions, qui induit en fait cette transformation de coordonnées-là, est donnée par ceci. Donc, je vois que c'est R plus 1 fois P', donc je distribue, c'est du R' plus du A'. Alors pour le démontrer, que à partir de cette fonction-ci, je peux retrouver cette transformation de coordonnées, qu'est-ce que je fais comme elle est de type 2? J'applique ce changement de... Enfin, je vais résoudre ces équations-ci, qui sont les suivantes. Donc je dis, voilà, grand QK sera égal à la dérivée de S par rapport à PK. Donc, je dérive partiellement cette fonction S par rapport au PK. Mais les PK, c'est quoi? Ce sont les P', ce sont mes nouvelles impulsions. Donc, quand je dérive ça par rapport au P', j'obtiens bien R. Quand je dérive ceci par rapport au P', il reste bien A. Donc, j'obtiens que les grands QK, c'est-à-dire les nouvelles coordonnées, qui sont bien les R', sont égales aux anciennes plus A. Donc, je retrouve bien l'équation de l'énoncé. Alors, que me donnent ces autres équations-là? Donc, les petits pk sont la dérivée partielle de s par rapport au qk. Donc, les qk, ici, ce sont les r, vecteur r. Donc, je dérive ceci par rapport à r, j'obtiens p'. Donc, j'obtiens que p égale p', ou p' égale p'. Donc, je vois qu'en fait, l'impulsion, elle n'a pas changé, bien entendu. Ainsi, le hamiltonien qui correspond, qui est p carré sur 2n par rapport aux anciennes coordonnées, sera égal par rapport aux nouvelles coordonnées à p' carré sur 2n. Et ça, ce serait égal à grand K. Donc je vois que grand H égale grand K, qu'il n'a pas changé. Il est invariable. Bon. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, je vais effectuer une transformation de coordonnées canoniques infinitésimales. Donc, il faut que le vecteur A soit extrêmement petit. Je veux dire, le vecteur A, ce n'est rien d'autre que le module du vecteur multiplié par un vecteur normalisé, unitaire, dirigé dans la direction du mouvement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, je dis, voilà, je vais ici que R' égale R plus A. Et A, je dis, voilà, ce n'est rien d'autre que le module de A multiplié par vecteur unitaire suivant cette direction-là, et je vais faire tendre A vers 0. Alors je sais, donc, la fonction sigma qui induit la transformation canonique infinitésimale, vous voyez, je l'ai indiqué ici, qui est fonction des anciennes coordonnées et des nouvelles impulsions, c'est la dérivée de la fonction S par rapport à epsilon, lorsque je fais tendre epsilon vers 0. Ici, ce sera la dérivée de S par rapport à A, où je poserai petit a égal à 0. Donc, c'est égal à la dérivée de S par rapport à A, en A, égal à 0. Alors, je reviens en arrière pour voir comment l'effectuer. Je viens ici. Donc, je dérive ceci par rapport au module de A. Et qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester le vecteur unitaire fois P'. Donc, je trouve que ceci, ce n'est rien d'autre que le vecteur unitaire fois P', comme ceci. Mais j'ai vu que dans mon sigma, je pouvais remplacer les nouvelles impulsions par les anciennes. Oui, c'est ce que j'ai démontré tout à l'heure. Donc, je laisse le P
Très bien. Alors, sous l'effet de cette transformation, le hamiltonien, quoi, il reste invariant. H j'ai vu que H carré égale P carré sur 2M égale P prime carré sur 2M, H égale K. Donc ce crochet de poisson est égal à 0. Ce qui veut dire que le crochet de poisson de FH est égal à 0, et ça ce n'est rien d'autre que la dérivée totale de la fonction F par rapport à DT. Donc je trouve que le D sigma DT est égal à 0. Autrement dit, le sigma est une constante. Mais le sigma c'est quoi? C'est 1 fois P. Donc je trouve que la projection, en fait, de l'impulsion sur la direction de déplacement de ma particule pourrait être une constante. Donc, j'ai trouvé l'intégrale première. Donc vous voyez comment, dans le contexte hamiltonien, se traduit en fait le théorème de Noether. Mais bon, c'est un formalisme, il faut simplement le relire, donc il va être posé, et vous verrez, c'est pas bien compliqué. Alors, deuxième application. Bon, cette fois-ci, je vais effectuer un changement de coordonnées qui correspond à une rotation donc d'un système d'axe cartésien autour de la verticale, donc l'axe des OZ. Donc, je rappelle les équations qui gèrent cette transformation des coordonnées. On l'a vu, dans le contexte lagrangien, c'est bien cela. Et maintenant, regardez bien, je prétends que la fonction S de type 2, qui induit cette transformation des variables canoniques, par rapport aux anciennes coordonnées aux nouvelles impulsions, a cette forme-là. Alors, vérifions que c'est correct. Donc, je refais appel à ces équations-là, bien entendu. Et je trouve donc que, alors, je trouve que les nouvelles coordonnées, donc x', y', z', sont égales à la dérivée de ma fonction par rapport aux nouvelles impulsions. Donc c'est par rapport au p'x, p'y, p'z. Alors c'est vrai que quand je dérive ceci par rapport à p'x, j'obtiens ceci. Lorsque je dérive cela par rapport à p'y, j'obtiens cela. Et lorsque je dérive cette expression par rapport à p'z, j'obtiens z. Et je retrouve bien, vous voyez, cette transformation. Donc, ça c'est bien la fonction qui induit une transformation des variables canoniques en accord avec cette rotation des axes. Bien sûr, dans un moment, ce que je vais faire, je vais prendre une transformation canonique infinitésimale, autrement dit, je vais faire tendre θ vers 0. Mais je ne suis pas encore là. Alors, ces autres équations-ci permettent de calculer les nouvelles impulsions en fonction des anciennes impulsions. D'accord ? Donc, c'est ce qui apparaît ici. Donc, je dis, voilà, les anciennes impulsions Px, Py, Pz sont égales à la dérivée partielle de fonction S par rapport aux anciennes coordonnées, donc X, Y, Z. Donc, si je dérive ceci par rapport, par exemple, bon, j'en fais qu'une, par rapport à X, j'aurai du cos θ P'X, et ensuite, moins sin θ P'Y. Puis, pareil, Py, Pz. Puis maintenant, ce que je peux faire, je peux dire, tiens, mes inconnus, je les choisis comme étant P'X, P'Y, P'Z'. Je peux réexpliciter celle-ci en fonction de Px, Py, Pz. Alors, une autre façon de faire pour trouver vite la solution, c'est de faire comme on faisait en relativité restreinte. Tout ce qui n'est pas primé, je prime. Tout ce qui est primé, je déprime. Et puis, je remplace θ par moins θ. Et je retrouve la transformation inverse, qui serait exactement de même type que cela ou que cela, et qui démontrerait simplement que le vecteur d'impulsion est bien un vecteur qui se transforme suivant les lois de transformation du vecteur, tout simplement. Donc, voilà ce que j'aurais trouvé. Alors, je reviens donc à cette transformation-ci, et je dis, voilà, je vais calculer ma fonction sigma qui va induire une transformation canonique infinitésimale lorsque θ tend vers 0. Donc tout d'abord, je fais faire tendre θ vers 0 dans cette fonction. D'accord ? Et qu'est-ce que je trouve ? C'est égal que cos θ ce sera 1, donc je vais obtenir x fois p'x. Ensuite, le deuxième, ça va me faire du y θ fois p'x, donc θ fois y p'x.
Ensuite, moins x theta d'y, moins x theta d'y, et ensuite le dernier terme, plus y d'y, et enfin le z d'y. Donc voilà ce que devient la fonction z. Alors je calcule le sigma, et je sais que ça, ce sera une intégrale première, comme tout à l'heure, oui. Donc je dérive ceci par rapport à theta. Je trouve que c'est x p'x moins x p'y. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai le droit de remplacer mes anciennes impulsions, mes nouvelles impulsions par les anciennes. Oui. Hein? Je vais démontrer tout à l'heure. Et donc je trouve, tiens, que cette quantité, elle est conservée en fait. Oui. D'accord. Et ça, c'est bien la projection du moment angulaire sur l'axe vertical. Je retrouve en fait le résultat du théorème de Noether, mais dans le contexte hamiltonien. Voilà. Et je veux que tu sais, quand on regardait le θ, quand on calcule S en tant que θ de 0, que quoi tu dis? On regarde le θ, enfin, je ne sais pas, en tant que θ de 0. Oui. Oui. Mais, donc, lorsque θ tend vers 0, le cos θ tend vers 1. Oui. Lorsque θ tend vers 0, le sinus θ tend vers θ, qui est explicité en bas de 0. Tu vois, quand tu développes au premier rang, hein, je vais lancer les l'ordre. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, c'est assez abstrait, hein. Mais en tout cas, le très beau résultat, quoi, c'est de se dire, tiens, le hamiltonien, oui, est une fonction génératrice, oui, qui génère une transformation canonique infinitésimale, qui donc effectue une transformation coordonnée, mais qui en fait permet de calculer les coordonnées au temps t plus dz par rapport aux coordonnées qui étaient là au temps t. Ça, c'est extraordinaire. Donc, la Hamiltonien est un générateur du mouvement dans l'espace de phase. Et ensuite, bon, il y a toutes ces propriétés-là, je vais les intégrer. Oui. Alors, quelle heure est-il maintenant? Quelle heure? 41. Donc, on a le temps pour finir le théorème de Liouville. Alors, c'est un théorème très important qui démontre en fait que le volume dans l'espace de phase est une grandeur qui est conservée, c'est un invariant. Donc, imaginez que j'étudie le mouvement d'un système canonique, hein, par rapport aux anciennes coordonnées. Quel est le volume qui correspond dans cet espace de phase? Bon, je dis, ben voilà, c'est dq1 fois dq2 fois dqf fois dp1 fois dp2 fois dpf. Hein, c'est ça un volume dans l'espace de phase. Maintenant, par rapport à de nouvelles coordonnées, quel serait le volume correspondant, bah, ce serait dz qui serait égal à dq1, dq2, dqf, dp1, dp1, dp2. Alors, on sait bien que lorsqu'on effectue un changement de variable, oui, les volumes, donc en partant d'un espace vers l'espace transformé, bah, oui, les volumes, les expressions de volume sont reliées par l'expression suivante, tout simplement. C'est que le volume par rapport aux nouvelles coordonnées est égal au volume par rapport aux anciennes, fois le module du déterminant de la matrice jacobienne qui vous permet de passer des anciennes à la nouvelle coordonnée. Ça, c'est un théorème que vous avez vu multiples fois. Alors maintenant, je pars de l'existence d'une condition symplectique, hein, qui est la relation suivante, hein, c'est que m tilde dans la transposée de n fois n est égal à la matrice J. Si maintenant je prends le déterminant du membre du dos, ben, je trouve que c'est égal au déterminant du membre de droite. Alors ici, je vais voir que ce sera le produit du déterminant de la matrice N modulo carré fois le déterminant de la matrice J est égal au déterminant de la matrice J. Alors ceci, cela disparaît, il me reste 1. Et je trouve donc que le module du déterminant de la matrice M est égal à 1. Donc ça veut dire que ceci, c'est égal à 1. Oui. Donc dz est égal à delta. Oui. Autrement dit, quoi, oui, le volume dans l'espace de phase, quoi, est une grandeur qui est conservée. Pourquoi? Parce que l'hamiltonien est générateur du mouvement. Il vous permet de passer d'anciennes coordonnées, hein, qui sont les coordonnées à l'instant t, à de nouvelles coordonnées à l'instant t plus dt. Et cela veut dire que, tiens, le volume occupé
dans l'espace de phase à l'instant t doit être égal au volume à l'instant t plus dt. Oui, ça c'est magnifique. Alors, pour bien voir intuitivement ce que cela veut dire, oui, eh bien, on va prendre deux exemples. Alors, voici, ici c'est un premier exemple, c'est l'espace de phase qui correspond au mouvement d'un oscillateur harmonique, d'accord, mouvement d'oscillateur harmonique, lorsque la constante de raideur, K, est égale à 1. Donc j'ai vérifié que dans ce cas-là, le mouvement dans l'espace de phase de cet oscillateur, en fait, c'est un cercle, tout simplement. Lorsque j'ai représenté ici, oui, vous voyez, c'est une zone grisée, hein, qui représente une infinité d'oscillateurs harmoniques. Donc j'en ai un milliard ici. Alors tous, je m'arrange pour que le centre de ce volume, qui est ici une surface en l'occurrence, hein, mais occupe une position Q égale 0. Donc Q égale 0, ça veut dire que je prends tous mes oscillateurs au repos, proche de la position de repos, mais que je vais leur communiquer une impulsion initiale P, hein, qui n'est pas égale à 0. Donc je vais les tirer, quoi, ou je vais les pousser. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah, chacun en fait, hein, des oscillateurs harmoniques décrit en fait une circonférence avec la même période d'oscillation. Alors si je regarde comment évolue en fait, hein, ce volume de phase, qui dans ce cas-ci est une surface de phase, hein, au cours du temps, eh bien je vois évidemment ce que je sais, c'est que le volume doit être conservé, donc la surface doit toujours être égale, mais si de surcroît, oui, la forme est conservée. Donc un cercle reste un cercle. Et ça c'est l'évolution au cours du temps T de tout mon million d'oscillateurs harmoniques. Là, ce que je peux faire, c'est pareil pour les pendules plans. Donc, imaginez que j'ai un milliard de pendules plans, ici, hein, près de moi, qui ont tous la même longueur, bien entendu. Et puis, qui, à l'instant T égale 0, vous voyez, ils sont représentés, occupés, ce volume de phase. Lorsqu'on a vu, parce que ça, on avait étudié dans le détail, mais c'est qu'en fait, lorsque les impulsions ne sont pas très élevées, là, oui, mes pendules plans vont décrire en fait des trajectoires, des ellipses. Avec une certaine période. Maintenant, si je donne une impulsion plus élevée, eh bien mon pendule va pouvoir aller jusqu'au haut. Et ça, ce sera la trajectoire cosinusoïdale, ou bien sinusoïdale, si vous voulez, qui est là représentée. Ben, et tous les autres, ils vont décrire des trajectoires intermédiaires. Alors, si je regarde au cours du temps T, comment évolue, hein, ce milliard de pendules, donc dans, je regarde leur volume en fait, au cours du temps T, eh bien, je vois que ce volume est toujours égal, c'est toujours le même. Donc la surface ici est égale à la surface là. Mais je vois que la forme de la surface dans ce cas-ci s'est déformée. Bien entendu, parce que ceci tourne avec une période relativement rapide, courte, tandis que ça, c'est une période qui est quasiment infinie. Et c'est pourquoi vous voyez, cette surface-là devient vraiment très étrange. C'est parce que ceci va beaucoup plus vite que cela. Et donc, dans ce cas-ci, le volume reste égal, la surface reste égale, mais la forme, hein, est déformée. Alors donc, ça c'est une propriété très importante, je dirais, du théorème de Liouville, donc la conservation du volume dans l'espace de phase, qui trouve une application très importante en mécanique statistique. Parce que là, vous étudiez, par exemple, dans un litre de gaz, oui, vous avez typiquement 10 exposant 23 particules, et difficile de suivre le mouvement de chacune de ces particules individuellement. Donc, ce qu'on fait, on les présente dans l'espace de phase, les pays, les puits. Et on se dit, ben voilà, imaginez un petit élément de volume dans l'espace de phase, quel est le nombre de particules qu'il y a dans ce volume-là? Ben, c'est leur densité fois l'élément de volume. Mais on sait bien que ce volume va être conservé. Et le nombre de particules à l'intérieur, évidemment, lui aussi sera conservé. Ce qui veut dire que la densité sera conservée, ou si vous voulez, la probabilité de trouver une particule sera conservée. Autrement dit, je peux dire que dans ce cas-là, la dérivée de cette densité au cours du temps est égale à zéro. Et je sais que comme ρ est une variable dynamique particulière, c'est aussi égal à dρ dt plus ρ dh. Et donc, en mécanique statistique, on étudie au moyen de cette équation-là l'évolution, hein, des systèmes constitués d'un très grand nombre de particules dans l'espace de phase. Ça va? Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.